Comme je vous le dis, son vélo était par terre et j'ai vu cette voiture rouge partir par là. Vous l'avez retrouvé ? On a fait le tour des hôpitaux de la région et nos agents ont interrogé le voisinage sans résultat. Et la mère ne sait pas où elle aurait pu aller ou avec qui elle a pu partir ? Non, et elle est en pleine panique. On a interrogé le marchand de journaux. Il dit qu'aucun de ses camarades de livraison ne l'a revue après qu'elle soit passée prendre son colis à 7 h du mat. Elle a quoi, 15 ans ? Il y a un petit ami dans l'histoire ? Non. Pas de petit copain. La dernière à l'avoir vue, c'est une madame Greenway. Elle dit qu'elle a vu une voiture rouge, de type Sierra ou Mondeo. Mmh. Elle l'avait déjà aperçue dans la rue, mais elle n'a pas noté le numéro de la plaque. Vous connaissez quelqu'un qui possède une voiture rouge, rouge Bordeaux, du type Sierra ou Mondeo? Non. Vos collègues m'ont déjà posé la question. Mais non, ça ne me dit rien du tout. Est-ce que vous savez si Cassie avait des problèmes à l'école? Non, aucun. C'est une jeune fille qui va bien, qui est joyeuse. Ah, je peux savoir si vous êtes mariée? Divorcée. Hmm. Depuis 5 ans. Il habite à Manchester. Votre fille est peut-être partie chez son père? Oh non, on n'avait aucune raison de faire ça. En plus, il a prévu de descendre la voir pour le week-end d'ici 2 semaines. De toute façon, j'ai déjà appelé son père. Donc vous vous entendez bien avec lui? Oui, il s'est remarié, mais... Si Cassie avait voulu le voir, elle m'en aurait parlé. Vous savez si elle a un journal intime? Oui, je crois qu'elle en a un. Bonjour, madame. Oh, le pont de Buckley est un enfer. Il devrait ouvrir celui de Rudy Hammersmith. J'arrive même plus à respirer. J'ai mis 1 h 30 pour arriver ce matin. La moitié provient du cinglé. Quand il appelle pas, il écrit. Il a dit qu'il va contacter directement son député. Je croyais que c'était déjà fait. On a mis qui là-dessus? Jones. Et il dit que... Ah, c'est quoi son nom? Warrington. Stephen Warrington. Il dit qu'il n'est pas net.
Son souci vient de quelques infirmières qui entrent et qui sortent à pas d'heure, et si elle ramène un mec, ça le regarde pas. Tiens, il a écrit au superintendant du secteur sud en ayant la délicatesse de nous envoyer une photocopie. Combien d'infirmières vivent là-bas ? Deux ou trois. Bonjour. Bonjour. Pat, vous auriez entendu parler d'un monsieur Steven Warrington ? Il n'en est pas à sa première plainte, il dit que ses voisines dirigent un bordel. Mais ça tourne à la farce cette histoire, on pourrait remplir un classeur rien qu'avec ce type. Je vous jure que c'est pas drôle, je viens d'avoir le superintendant du secteur sud au téléphone. C'est vraiment ridicule, on a vérifié, ce sont des infirmières qui ont des horaires décalés. Bon, s'il vous plaît, rendez-moi un service, recontrôlez, personnellement. Warrington doit avoir un revenu confortable. Bonjour, je vous en prie, entrez. Je suis Steven Warrington. Enchanté, voici l'inspecteur Jack Hutchins et je suis l'inspecteur en chef Pat Nurse. Un café, un thé ? Volontiers. Oui, c'est vrai. Hutchins, n'oubliez pas qu'on est là pour un simple contrôle de plainte. Tâchez de le détendre avec un peu d'humour. Et là, je suppose que ce sont ses filles. Exact. Et c'est pour ça que je m'inquiète de ce qui se passe au numéro 21. La plus âgée, c'est Charlotte, 14 ans. Ma plus jeune, c'est Lucie, 11 ans. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Café noir ou au lait, Pat ? Je le prends noir et sans sucre, merci. Vous voudrez bien excuser l'absence de ma femme aujourd'hui. Le mercredi, c'est elle qui s'occupe des fleurs à Saint-Bartholomé. Elle pourrait gagner sa vie en faisant des bouquets, si elle le voulait. Un petit gâteau ? Non, ça ira, merci. Je possède une entreprise spécialisée dans l'import de grands vins. J'y pense. Si ça vous dit, je peux vous faire goûter un merlot exceptionnel. Il est élevé au Chili. Non, ça ira, merci beaucoup. Je préférerais discuter de la raison de notre visite. Bien entendu. Comprenez-moi, avec mes deux filles qui arrivent à un âge assez délicat, vous êtes au courant qu'une jeune fille a disparu à Southfields ? Non, je ne savais pas. Monsieur Warrington, nous avons déjà fait quelques recherches concernant votre plainte. Vos recherches ne valent rien. Ces femmes sont vraiment sournoises. Ce n'est pas l'agent à peine sorti du berceau que vous m'avez envoyé. Non. L'agent Jones a bien fait son travail. Il a même contacté le propriétaire du 21. Du 21 ? Je ne vois pas l'intérêt. L'homme est iranien. Quand on sait ce qui se passe là-bas, je ne comprends pas qu'on autorise à résider chez nous, propriétaire ou pas. Cette maison est louée à des infirmières et nous n'avons pas trouvé d'irrégularité. Ça, c'est ce qu'on vous a dit, mais je peux vous assurer que le nombre d'hommes qui entrent et sortent de cette maison à toute heure du jour et de la nuit... Mais c'est leur emploi qui veut ce fonctionnement en horaire des... Non, ce qui se passe dans cette maison n'a aucun rapport avec un cabinet médical. Elles reçoivent ouvertement des clients. Des michetons, si on veut employer votre terminologie. Monsieur Warrington... J'ai noté sur un carnet les dates et les heures où j'ai vu des hommes, et ils étaient nombreux... venir s'envoyer en l'air. Oui, je suis vraiment très impressionnée par votre civisme, monsieur Warrington. Et si vous étiez plus nombreux à vous occuper de ce qui se passe autour de vous, je ne doute pas que le monde serait un endroit plus sûr. Nous sommes d'accord. Ça me fait plaisir que quelqu'un comprenne enfin. Écoutez, je vois bien que cette situation vous a mis... Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis le père de deux adolescentes. Même ma pauvre femme a peur de se faire accoster quand elle sort la nuit. Une petite fille disparue devrait vous mettre en garde. Il y a vraiment eu une disparition dans le quartier de Southfields ? Je sais pas. En tout cas, ce mec est un vrai barge. Il a peut-être pas tort. Allons voir s'il y a quelqu'un dans la maison. Bonjour, je suis l'inspecteur Hutchins et voici l'inspecteur en chef Nurse. Nous sommes détachés par le commissariat d'Embankment. Vous avez une minute ? Bien sûr, entrez. Merci, madame.
J'y crois pas. La semaine dernière, un de vos collègues est déjà venu nous interroger. C'est vrai? Combien de personnes vivent ici? Ça dépend des semaines. Officiellement, c'est Judy et Alex qui vivent ici, mais il leur arrive de louer des chambres. Je devrais pas vous le dire, je sais. Mais on n'est jamais plus de quatre. Donc vous payez Judy et Alex, c'est bien ça? Judy et Alex Watson, oui. Vous leur payez un loyer, donc? Non, pas un loyer. On partage les frais, on paie des factures. C'est pas illégal. En fait, on est deux à pas encore avoir notre diplôme, alors notre salaire, c'est... D'accord. Et Judy fait quoi dans la vie? Elle est infirmière. Et Alex, son mari, est mécanicien. Bien. Il y a l'un de vos voisins, Monsieur Warrington, qui a déposé plainte. Lui, il est bizarre. Judy est allée voir Starry il y a quelques semaines pour lui dire de nous laisser tranquille. Elle l'a menacé d'aller voir la police. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? Quelqu'un avait déposé une merde de chien dans la boîte aux lettres. Enfin, on croit que c'était celle d'un chien. Il est tellement barge que ça pourrait être la sienne. C'était dégueulasse. En tout cas, Monsieur Warrington est persuadé que cet endroit est une maison de passe. Bon sang, il insiste avec ça. Écoutez, j'ai pas l'intention de répondre à ces conneries. Je suis pas une prostituée, ni aucun des locataires de cette maison. Ce serait bien que vous partiez. Il faut que je dorme. Je suis de garde cette nuit. Oui, bien sûr, on vous laisse. Merci pour votre aide. Désolé. On est obligé de demander. Ne faites plus jamais ça. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous excusez que je fasse mon boulot. Oh, c'est bon, Pat, ça se voit que c'est pas une pute. Hutchins, ce qu'elles font est illégal et le propriétaire aurait parfaitement le droit de les virer. Dans quoi on vit? Les fumiers de riches qui abusent de leur pouvoir, ça me fait gerber. Vous restez dans la voiture. Alors? Je repars soulagée, l'entretien n'a pas révélé d'irrégularité. Je vous donnerai des preuves. Non, c'est gentil, mais ce ne sera pas nécessaire. En ce qui concerne la police, il n'y a pas de raison de donner suite à cette affaire. Mais, mille fois merci pour le café. Oui. On vient de recevoir un appel d'une cabine téléphonique dans Putney. Un homme nous conseille de fouiller un hangar à bateau pour trouver Cassie Booth. C'est bon, continue, t'as largement la place. Vas-y, recule. Commence à redresser. Redresse sur la gauche, stop! Mais qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi, mais je vois absolument rien. Recule! Vas-y! Continue tout droit! Vas-y, c'est bon! Stop! Très joli. Je vais choper une hernie à décharger tout ça. Courage, on a du taf. Devant cette porte, deux derrière ces bateaux là, un devant le portail. Venez avec moi. Je dois dire qu'il m'a fait froid dans le dos. Il habite au coin de la rue, tu sais, dans le l'appartement qui nous intéressait, celui avec le grand balcon, un balcon qui donnait sur un jardin. Mais c'est à toi toutes tes affaires? Non, c'est quasiment que les tiennes. Il faut que tu gardes ce truc là. Lynn n'en voulait pas. Oh, ça, alors franchement, tu m'étonnes. J'ai vu exactement la même dans une boutique d'antiquité une fois. Dans 20 ans, ce machin vaudra une fortune. Fais voir ce côté. Cassie! Enfin, à part le déballage des cartons, on a fini. Ouais. Aucun regret, jeune fille? C'est maintenant que tu me le demandes. Tu sais quoi, on laisse tomber les cartons et on va se chercher à manger. Bonne idée. Hé, t'es sûr que tu vas pas regretter? Je suis beaucoup plus vieux que toi. Non, c'est pas vrai. Beaucoup plus petit, oui.
Pizza au chinois. Touché. T'as pas entendu, je t'ai appelé. Non, excuse-moi, je prenais un bain. Je veux une bouteille de vin? Ça y est, elle est ouverte. Et chambrée. Merci. À nous. À nous. Par ici. Quoi? Vous avez trouvé un corps? Les tests ADN ont confirmé que le sang trouvé sur la veste dans le garage à Bateau est bien celui de Cassibus. Avant de passer le dossier à la crime, je voudrais qu'on fasse un récap des éléments qu'on doit leur transmettre. Détail du dernier repas que Cassie a pris avec sa mère, plus son heure exacte. J'ai... groupe sanguin et dossier dentaire complet. C'est bon. Relevé de fibres diverses dans sa chambre pour comparaison ultérieure. Oui. Empreinte digitale. C'est fait. Description complète de ce qu'elle portait quand elle a disparu, y compris les marques. C'est réglé. Bon, l'équipe de gestion de crise devrait pas tarder, il ne reste plus qu'à leur préparer une salle. Enrhumé? Non, morte de fatigue. Le déménagement s'est bien passé? Oui, impeccable. On a réussi à vider le camion, mais on vit au milieu des cartons. Bah tiens, en parlant de cartons, on vient de recevoir ça. C'est pour vous. Oh, avec ma reconnaissance sincère pour votre écoute, Stephen Warrington. Et un post-scriptum. J'espère que vous saurez apprécier ce grand vin qui se bonifie avec l'âge. Retour à l'envoyeur. Vous êtes sûr? Ça a l'air d'être un millésime. Sortez cette foutue caisse d'ici. D'accord. Vous êtes sur l'affaire? Oh, c'est super. Qui est dans votre équipe? Oh. Ça va? Non, j'ai mal au dos. Soyez gentil d'aller me chercher un café noir. Est-ce que c'est vrai, vous et Pat? Enfin, vous savez quoi? On ne peut pas boire une gorgée d'eau dans ce bureau sans que tout le monde le sache. On vit ensemble, oui. Et je vais aussi divorcer, alors attention à ce que vous allez dire. Pas de vanne. Non, je voulais juste savoir si... Meurs. Elle est aux mœurs au poste de Bankman, je crois, non? C'est ça. Maintenant que vous avez vos renseignements, vous pourriez me briefer? Qui est-ce? Cassie. Cassie Booth. Monsieur Warrington, je ne peux pas accepter votre vin. Non, je ne voudrais pas que vous le preniez mal, surtout. Non, bien sûr, je comprends. Mais il faudrait que je vous voie. J'ai quelque chose à vous montrer. Je ne peux rien dire au téléphone, mais si vous acceptez de venir, vous ne regretterez pas le déplacement. D'accord. Je ferai de mon mieux. Merci, je suis impatient. Le hangar à Bateau appartient à un certain Carl Wilding. Qu'est-ce qu'on a sur lui? Il habite Putney, dirige une petite boîte d'informatique à mi-temps. Il a l'air relativement à l'aise. Il est parti en France le jour de la disparition de Cassie, mais seulement à 11h du matin, il doit rentrer aujourd'hui. Quelqu'un d'autre a accès à son bâtiment? D'après la femme de Wilding, il n'y a qu'un jeu de clés. Il a sur lui. Bon alors,
Le ciré taché de sang et les baskets de la petite ont été retrouvés dans son hangar qui était verrouillé. Si effectivement c'est lui qui a le seul jet de clé, on en a assez pour l'inculper. Vous lui passez les menottes à la sortie de l'avion. Et je veux que le témoin qui a vu la voiture Bordeaux soit à notre entière disponibilité. Vous me gardez au chaud pour identification. Chef, c'est une vieille dame. Elle n'a pas réellement vu le conducteur. Aucune importance. Je veux quelqu'un en planque. Je veux une autre recherche de témoin. Ok. Nous avons deux scènes de crime, le lieu de l'enlèvement et le hangar à bateau. Entrez tout de suite en contact avec l'équipe de fouilles. Voyez si leurs plongeurs ont trouvé de nouveaux éléments dans la Tamise. Ça vous pose un problème, Barrow ? Non, mais on a déjà fait tout le voisinage. Eh bien, pour commencer, vous faites le tour de tous les magasins et locaux professionnels dans le périmètre des deux scènes qui avaient une caméra de surveillance en fonction ce jour-là. Je veux les enregistrements. Et je veux qu'on interroge tous les livreurs qui ont fait un passage dans l'un des deux quartiers ce jour-là. Oui, on est déjà dessus. Eh bien, je suis ravi de l'apprendre, Joe l'éclaire. Je veux aussi un appel à témoin à la télé, on sait jamais ce que ça peut donner. Mettez ça en place. C'est un très bon appareil photo. Vision nocturne. Et comme vous voyez, j'ai mis un numéro à chaque homme. J'ai aussi noté la date ainsi que l'heure d'arrivée et de départ. C'est plus fréquenté que Clapham. C'est dommage que vous n'ayez pas pu accepter mon cadeau. J'espère que ça ne vous a pas mis dans l'embarras. Et si je vous faisais des prix sur le vin pour les petites réceptions de votre commissariat ? Non, merci, merci. C'est inutile. Vous permettez que je les conserve ? Ah oui, bien sûr, je peux toujours en faire des copies. En fait, si je vous ai demandé de passer si vite, c'est pour une raison très précise. Je ne vois personne d'autre que vous pour discuter de cette situation particulièrement désagréable. Monsieur Warrington, sincèrement, je crois avoir fait tout mon... J'ai été arrêté il y a quelques jours. Je vis dans la terreur que ma femme la prenne. Je vous demande pardon. Mais asseyez-vous. J'étais en route pour voir un de mes clients à Oakshott et... je vais être direct, mais je ne vois pas d'autre façon de vous le raconter. J'ai eu besoin d'uriner. Coincé dans les embouteillages, j'ai cherché autour de moi un endroit propice. Je ne savais pas exactement où j'étais. Je suis sorti de la route principale et... Je sais que j'aurais pas dû, mais... J'ai profité d'un buisson qui était là pour me soulager. La seconde d'après, je remontais ma braguette quand cette femme s'est mise à me hurler dessus. Ensuite, je suis retourné à ma voiture et je vous jure que je n'avais pas vu que j'étais près d'une école. Maintenant, je me retrouve dans cette situation épouvantable où la police m'a arrêté. Je risque d'être condamné pour outrage à la pudeur. Trois jeunes élèves que je n'avais pas remarqués réclament. Elles prétendent... Oh, Seigneur. Vous ne pouvez pas imaginer combien c'est terrible pour moi. Je n'en dors plus. C'est un cauchemar, un véritable cauchemar. Comme si j'étais capable de ça. Je suis un homme marié, parfaitement heureux. J'ai deux enfants. Je vous demande pardon. Pardon ? Excusez-moi. Je suis tellement bouleversé. Dieu merci, j'ai un excellent avocat. Mais il faudrait que vous m'aidiez, Pat. Vous pourriez aller voir la police d'Oakshott, leur expliquer que vous me connaissez. Je ne peux pas faire ça, Monsieur Warrington, je suis désolée. Mais vous me connaissez ! Vous savez quel genre de personne je suis ! Et si vous alliez dans cette école ? La maîtresse qui m'a hurlé dessus s'appelle... Zelda Fitzwilliams. Il n'y a que vous pour faire quelque chose. Je suis totalement innocent. Madame Booth, vous savez si Cassie est déjà allée près du hangar à bateau de Putney où on a retrouvé ses vêtements ? Ou si elle connaissait quelqu'un dans ce quartier qu'elle aurait pu aller voir ? Non. J'y ai bien réfléchi, mais non. D'ailleurs, elle venait juste de prendre des leçons de natation. Elle avait très peur de l'eau. Elle ne serait pas allée là-bas. A-t-elle déjà dit qu'elle était suivie dans la rue ? Non. Ma fille aussi en a quelques-unes. C'est une sacrée collection. Oui. Tout l'argent de sa tournée passait dans ses peluches. Oui. C'est ce que j'ai lu dans son journal. Ça doit être le petit lion offert par son oncle. Son oncle ? Cassie n'a aucun oncle. Pourtant, je suis sûr qu'elle parle de l'oncle W dans son journal. C'est peut-être un ami qu'elle appelle comme ça. En tout cas, ça ne peut pas être un oncle. Madame Booth a la gentillesse de mettre une vidéo de Cassie à notre disposition pour l'intervention télévisée. Merci. C'est son père qui l'a
filmé pendant son anniversaire. Et là, il se met à chialer et à me dire qu'il est totalement innocent et tout ça juste après m'avoir offert une ristourne sur ses vins pour les réceptions du commissariat. Je vous jure, c'était totalement surréaliste. Je suis navré de vous avoir collé ce cas. Je voudrais être une petite souris pour me glisser dans le commissariat d'Oxshott. Vous savez qui a pris le dossier en main là-bas ? Non. Mais avec la politique de titularisation du bureau, ils auront collé un détective débutant qui avant faisait la circulation. Alors, oubliez ça et merci. Bonjour, je suis officier de police. Pour être plus précis, je suis l'inspecteur Barrow. Nous avons des questions à vous poser. Veuillez nous accompagner, s'il vous plaît. J'ai mis M. Wilding en salle d'interrogatoire numéro 1. Il n'a pas l'air d'être très content. D'accord, allons-y. Il faut le faire tout de suite. Hutchins ? J'ai entendu parler de l'attentat à la pudeur de Warrington. Je vous l'avais dit qu'il n'était pas net. J'ai envie d'appeler mon pote Oxshott pour avoir des infos. Je vous ai fait venir parce que j'attends des explications. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous pourriez me donner des détails sur ces photos, inspecteur Hutchins ? Écoutez, je venais de terminer mon service et je suis passé à côté de l'hôpital. Je l'ai vu à l'arrêt de bus. Je l'ai raccompagné. L'ennui, c'est que vous n'habitez pas à côté de l'hôpital, vous vivez même exactement de l'autre côté de la ville. Et quand on regarde vos heures de départ et d'arrivée, vous voyez, elles sont notées derrière la photo. Ça, alors je constate que vous y êtes resté 2 heures. Sans doute pour discuter. Plus ou moins. J'ose espérer qu'elle ne vous a pas fait payer pour... On est resté sage. Sinon, je crois que vous connaissez mon pote Oxshott. Ah bon ? Qui est-ce ? Jeff Batchelet. On joue au rugby ensemble. Vous voulez que je l'appelle pour Warrington ? Non, inutile. Madame ? Votre femme confirmera vos déclarations. Bien sûr. Je suis resté chez moi au moins jusqu'à 11h du matin et après je suis allé à l'aéroport. Écoutez, je suis le premier à être affligé que cette petite fille ait disparu. Mais je ne crois pas que c'était nécessaire de m'infliger cette démonstration de force dès que j'ai mis le pied hors de l'avion. Monsieur Wilding, vous avez refusé d'avoir un avocat présent. Parce qu'il n'y a aucune raison. Comme je viens de vous le dire, j'étais chez moi. Je ne possède ni de Mondeo, ni de Sierra de couleur Bordeaux ou autre. Je conduis une Rolls-Royce. Quand avez-vous mis les pieds dans votre hangar à bateau pour la dernière fois ? Il y a des mois après avoir vendu le bateau. Pourriez-vous être plus précis ? Pas sans avoir consulté mon agenda, non ? Notez qu'il faudra passer prendre l'agenda de monsieur. Bon. Monsieur Wilding, confirmez-vous qu'il n'existe qu'un jeu de clés pour ce hangar et que vous l'aviez sur vous ? Oui. Mais comme je vous l'ai déjà spécifié, il y a un certain nombre de personnes qui m'ont emprunté ces clés au cours des derniers mois. Un serrurier, un peintre décorateur, et un peu plus tôt dans l'année, c'est toute une équipe d'avirons qui les a eues. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que quelqu'un est venu dans le hangar depuis mardi dernier ? À moins d'être entré par effraction, non ? Et étant donné que vous ne m'avez pas laissé contacter ma femme, je ne peux pas vous le garantir. Bon, j'aimerais savoir combien de temps vous comptez me garder. Aussi longtemps qu'il le faudra, Monsieur Wilding. Préparez-vous à participer à une séance d'identification de suspects.
vous en êtes, Gwen? Tout est prêt pour la séance d'identification. Madame Greenway est déjà dans les locaux à Brixton. Mais c'est vrai qu'elle est... Oui, je sais. Elle est vieille. Vieille, encore très alerte. Mais je crois qu'elle ne sort pas beaucoup. Et Wilding? Il est très sûr de lui. Trop sûr de lui. Vous avez récupéré son agenda? Oui. Ce qui serait bien, ce serait d'éplucher son planning et de faire un recoupement avec les jours où Cassie Booth dit avoir vu l'oncle W. Ok. Est-ce qu'il a dit qu'il la connaissait? Non. Pour l'instant, il nie tout. En fait, ça va dépendre du résultat de la réunion de cet après-midi, je crois. C'est sûr. Merci. Pour vous, merci. Moi, je crois que tu vas réfléchir. Qu'est-ce qu'il fait, madame? Je te trouve un peu dur avec lui. Non, je t'assure. Une pression, s'il vous plaît. Quand tu vois ce qu'il a réussi à faire, quand même. Je crève de faim. Je peux vous commander des sandwichs? Non, merci, on m'attend à la maison. Votre petite dame a prévu de vous mijoter un bon plat. Ça commence toujours comme ça, mais ça dure pas. Oui, bonjour. Je voudrais parler à l'inspecteur principal North. Oh, je savais pas. Ça fait rien. Merci. J'ai réussi à joindre le serrurier et le décorateur qui ont emprunté les clés du hangar à bateau de Wilding. Ils ont accepté de me voir demain. Vous en pensez quoi? Belle efficacité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je voulais parler de Wilding. Vous avez vu? Le producteur de l'émission est très intéressé. Ils sont déjà overbookés, mais la vidéo de l'anniversaire de Cassie devrait faire pencher la balance en notre faveur. Pas de nouvelles de Brixton? Bah, en fait, ça n'a rien à voir. C'est très différent, mais je suis contente d'être au Meurs, je m'y retrouve. Et en dehors de ça, j'aime bien être en centre-ville. C'est vraiment pratique. De mon côté, je suis impatient de retourner sur le terrain. Oui. Bon, écoute, je crois qu'on a assez tourné autour du pot. Je sais que tu vis avec lui. Et je sais qui est ton informateur, c'est Hutchins. Faut pas lui en vouloir, Pat. C'est moi qui voulais savoir si c'était qu'une rumeur. Je dois dire que t'as été super discrète. Je croyais que toi et moi, c'était sérieux. C'est pas que ça l'était pas, c'est juste que je me suis dit qu'il était peut-être temps pour moi de faire quelque chose de ma vie, tu vois. J'allais pas continuer comme ça à bidouiller. Avec moi. Si on en est à se dire ce qu'on a sur le cœur, faut que tu saches que ça n'a pas été évident pour moi. Toute la période où tu m'évitais et où tu répondais pas à mes coups de fil. Si je te répondais... Écoute, je te demande pardon de pas avoir été totalement honnête. Le truc, c'est qu'on voulait pas... On voulait pas que la chose s'ébruite avant d'être sûr de nous-mêmes, d'être sûr de ce qu'on voulait. Et donc, c'est Walker que tu veux? Oui. Pour l'instant, c'est comme ça. Très bien. Ce serait possible de parler d'autre chose, ça m'arrangerait. Bien sûr. Je voulais que ce soit clair entre nous. C'est normal. Encore une fois, je suis vraiment désolée si j'ai pas été très claire. Parce que t'es adorable, je t'assure, c'est vrai, t'es un mec adorable. Ton copain Warrington aussi. Disent que non seulement il s'exhibait, mais qu'il faisait des gestes obscènes. La maîtresse ne l'a pas réellement pris sur le fait. Mais elle a entendu le cri des gamines et a pourchassé le type. Elle l'a vu remonter son froc à côté de sa voiture. Il m'a dit qu'il avait eu une envie pressante. Il n'y aura pas de jugement. La plainte a été retirée. Les parents ont décidé que c'était pas la peine d'imposer aux enfants un autre traumatisme. Il est au courant? Moi-même, je l'ai su qu'aujourd'hui. Mais d'après toi, il est coupable? J'ai
J'ai pas l'ombre d'un doute. T'en veux un autre ou... On peut aller manger un bout. Ouais. Pourquoi pas. Bonne idée, je meurs de faim. Je veux être sûr d'avoir bien compris. On a un témoin oculaire, une vieille femme, qu'on se trimballe pendant tout le trajet jusqu'à Brixton. On s'en occupe aux petits oignons à coups de petits fours. On la gaffe tout l'après-midi pour qu'elle nous dise quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a une vision quoi ? Tunnel. Oui, et ça veut dire quoi au juste ? En gros, ça veut dire qu'elle voit comme ça, mais qu'elle n'a pas vraiment de vision périphérique. C'est comme si elle voyait à travers un tube étroit. Un tube étroit, comment ? Si on en croit son dossier médical, elle est diagnostiquée non-voyante. Un agent l'a ramenée chez elle. Formidable. Super. Et pourquoi vous n'étiez pas au courant ? Ça veut dire qu'on n'a strictement rien contre Wilding. Pour l'instant. Allez, dégagez. Si j'avais su que tu dînerais dehors... C'était pas prévu, j'ai croisé Jeff Batchelet pour boire un verre et c'est lui qui a lancé l'idée. J'ai essayé de te joindre ici et sur ton portable. Batchelet ? Le joueur de rugby ? Qu'est-ce que tu faisais avec cette armoire à glace creuse ? Pas si creuse que ça. C'était pour du boulot. Il m'a donné des infos sur une affaire à Oakshott. Oakshott ? C'est dans notre district ? Tu veux une tasse de thé ? Aïe ! Aïe ! Ça va ? Oui. Tu voulais pas de thé ? Non. Pourquoi les hommes font ça ? Font quoi ? Même quand il y a des chaises dans la pièce, il faut qu'ils s'assoient sur le lit pour enlever leurs chaussettes. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est juste un truc pénible que les hommes font. Ah oui ? T'as l'air d'avoir une sacrée expérience. Moi, je t'ai donné toute ma liste. Il faut que tu fasses la tienne. Oh non, je t'en prie pas ce soir. J'ai une journée d'enfer demain. Oh, et pas moi. Je crois que c'est important. Il faut se dire les choses dès le départ. Sinon, on part pas du bon pied. Il faut que je m'habitue à ce que je... Je ne sois pas aux petits soins pour toi comme ton ex avait l'air de le faire. Oh, touché. On va faire tous les deux des efforts. Mais pour ça, il faut qu'on se parle de nos priorités. Pas à ce que je fasse le ménage, les courses et la cuisine. Pas du tout. On s'organise à deux. D'accord. Alors allons-y. Tes chaussettes et tes chaussures ne vont pas se ranger toutes seules dans les placards. Idem pour tes chemises et les serviettes mouillées se font sécher. Et je prends pas de sucre dans mon thé. Je sais. C'est ma tasse et je sucre. Est-ce que tu penses que ça peut marcher ? J'en sais rien. J'espère. Allez, viens. T'as une idée de la couleur qu'on va mettre ici ? Un jaune très pâle, peut-être. Ça pourrait être joli. L'autre jour, je regardais un nuancier, j'ai vu une sorte de jaune chamois. Je me suis dit que ce serait pas mal ici. Dépêchez-vous, les gars, le courant change. Faut plonger, mais restez près du bateau. Ouais. Allez, go. Ne t'éloigne pas. D'abord la sécurité. Ça va, les gars ? Oh, l'horreur. Oh. Allez, c'est bon, tu peux y aller. Bonjour Théo. Comme d'habitude, Mike ? Comme d'habitude. Salut ma belle. Enfin, une bonne tasse de thé.
donné. Merci, Diane. De rien. Qu'est-ce que je vois? Elle ne vous fait pas le petit déjeuner? Si je dois supporter vos vannes tous les jours, mon grand, ça risque de me taper sur système. Non, je disais ça juste comme ça. C'est... Alors la mauvaise nouvelle, c'est que l'émission ne nous donne pas de créneau. Mais il y en a une nouvelle sur ITV qui marche plutôt bien. Marie, pourquoi on tenterait pas qui veut gagner des millions? Tant que mon joker appelait un ami, c'est pas vous. Non, sérieusement, c'est un show sur les faits divers. Ils sont d'accord pour diffuser la vidéo de l'anniversaire de Cassie et faire une reconstitution de sa tournée, avec un sosie. C'est le show d'Angela Rippon. J'ai toujours eu un faible pour elle. Et toujours rien du côté de la Tamise? Non, rien. Ça coûte très cher. Vous voulez que les plongeurs continuent les fouilles? Le courant est de plus en plus fort. C'est le vôtre? Non, ma sonnerie, c'est Mozart. Walker. Bonjour. Non, je voulais pas te réveiller. Du vin? Une caisse de vin? Oui, il y avait une caisse de vin dans la cuisine. Ah oui, oui, je l'ai trouvé devant la porte. Je me suis demandé ce que c'était, comme il y a des boîtes et des cartons partout. Il y a un problème? Oh non, 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 aucun. On se voit plus tard, je te laisse. Ouais. Bonne journée. Bye, bye. Et pour l'ami Wilding, on fait quoi? Je voudrais parler à sa femme. Et on voit s'il y a des achats de jouets sur ses relevés de banque pour voir si ça peut être lui, le fameux oncle. On a intérêt à agir avec doigté. Wilding et les amis ont placé. Et on n'a rien contre lui. Pour l'instant. Allez, on y va. La veille, nous nous étions couchés relativement tard. Donc le lendemain, nous ne nous sommes pas réveillés avant 9h. Nous nous sommes levés, avons pris un petit déjeuner. Ensuite, mon mari est parti pour l'aéroport. Il devait être 11h. Merci. Donc, ni vous ni votre mari n'êtes sortis avant 11h du matin? Non. Votre mari n'aurait pas fait un saut dehors pour régler une affaire? Sauf à être sorti en pyjama pendant que je me douchais, il y a peu de chance. Madame Wilding, l'un de vous a-t-il possédé ou conduit récemment une Sierra ou une Mondeo Bordeaux? Non, jamais. Je vous l'ai dit, je ne peux pas accepter de cadeau personnel de cette nature, monsieur Wilton. Oh, c'est ridicule, c'est un petit geste, juste une façon de vous remercier, il n'y a pas de mal à ça. Bon, écoutez, j'apprécie beaucoup votre générosité, mais je dois vraiment refuser. Cela dit, je serais curieuse de savoir comment vous connaissez mon adresse. Je passais dans votre quartier hier soir et je vous ai vu sortir. Ah bon, d'accord. Voilà, je ne peux pas l'accepter, mais c'était très gentil. Alors, dans ces conditions, ma femme et moi serions ravis de vous avoir à dîner, vous et le superintendant Walker. Je n'accepterai pas de refus. Il est en charge de l'enquête sur le meurtre de Cassibus, je crois. Y a-t-il de nouveaux éléments? Je ne suis pas du tout au courant. Bonne journée, monsieur Warrington. La plainte contre moi a été retirée grâce à votre intervention. Je vous garantis que je n'y suis pour rien. Quoi qu'il en soit, je vous remercie, Pat. On se rassemble, je veux un topo général. Gwen? J'ai pas grand-chose. On peut déjà oublier le serrurier et le peintre. J'ai aussi interrogé l'équipe d'aviron. Zéro. De mon côté, j'ai pas tiré grand-chose de Madame Wilding, si ce n'est que son mari est un gros dormeur, tout comme elle, d'ailleurs. Elle a descendu une bouteille de vin entière pendant l'entretien, sans même se donner la peine de nous offrir un thé. Allô? La secrétaire de Wilding nous a envoyé son planning pendant qu'il était en France. Tous les rendez-vous ont été vérifiés et validés. Oui, d'accord. Il avait son premier à sa descente d'avion. Chef, Angela Rippon pour vous sur la 2. Elle veut répéter votre chorégraphie. Non, je rigole. C'est encore sa documentaliste. Mike Walker.
Lumière, oui. Caméra, action, superintendant Walker, vous êtes à l'antenne. Faudrait qu'on continue par là, tu vois, le long du pont, sur cette ligne. On fait tout ça. Motivé, les gars. On a une gamine qui a disparu, faut la retrouver. On se met en formation battue, allez. Cassie, vous passez tout ce qu'on fait une fin. Je veux des indices. Cassie. Nous allons d'abord commencer par votre interview. Ensuite, nous passerons la vidéo de Cassie. On reprend sur vous après, et à la fin seulement, on fait la reconstitution. Ensuite, ce sera l'appel à témoins classique. C'est bon? Oui. Le standard téléphonique reste ouvert après l'émission jusqu'à minuit. Je vous souhaite bonne chance. J'espère que vous aurez des réponses. Elle, je veux dire Cassie, semble être une enfant adorable. 2 minutes avant l'antenne, 2 minutes. Un cambriolage incroyable qui a eu lieu en plein jour. Deux hommes portant des combinaisons se sont présentés en prétendant faire partie de la compagnie des eaux et avoir rendez-vous pour Steven, installer un nouveau compteur à leurs clients. Tu les peux changer la chaîne, chérie? La nouvelle série va commencer. Non. Si quelqu'un a vu ces deux hommes quitter la cabine... Mais tu vas pas regarder ça. Il y a la série sur Nelson. Tu sais le téléfilm en costume? Charlotte l'étudie en histoire. Dis-le à ton père, ma puce. Allez le regarder sur un autre poste. Y a que ça ici. Ainsi que la signature du peintre. Pourquoi tu n'y vas pas? Vous voyez actuellement s'afficher. Les filles ont envie de le voir. Redonnons le C'est une série éducative. Et maintenant, abordons le principal sujet de la soirée, la disparition de la jeune Cassie Booth. Steven, avec moi pourquoi sur tu regardes ça? Le policier en charge de cette enquête délicate, j'ai nommé le superintendant Michael Walker. Bonsoir. Que pouvez-vous Steven, dire sur cette affaire? Steven, mais enfin, c'est totalement ridicule. Je peux déjà vous dire que Cassie a 15 ans. Elle a disparu il y a une semaine en faisant sa distribution quotidienne de journaux dans le quartier de Southfields, situé au sud-ouest de la ville. Cassie récupérait sa pile de journaux chez un distributeur de High Street à 7h du matin. Elle a été vue pour la dernière fois... Steven, tu avais dit que tu voulais voir Nelson. À Primrose Road, où son vélo a été retrouvé abandonné. Pourquoi faut-il toujours que tu me fasses une scène? C'est ce programme-là que je veux voir. Que les filles aillent regarder la télé ailleurs. On est trois contre les toi. Ne discute pas avec moi. Je veux regarder cette émission, d'accord? Tu es en train de me la faire rater. La ferme est sortie. Dehors. L'analyse des prélèvements pour l'amour du ciel, Steven, qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te comportes comme un enfant capricieux. Je viens de faire du chocolat. Je ne veux pas de chocolat. Laisse-moi tranquille. Je suis en train de rater toute l'émission. Tu as pris tes médicaments. Oui, mais laisse-moi tranquille. Dégage. On a interrogé tous ceux qui auraient vu Cassie ce matin-là ou les jours suivants. Vos services traitent cette affaire de disparition comme une affaire de meurtre? Absolument. Et le matin de sa disparition, nous avons reçu un appel anonyme nous avertissant que certains vêtements de Cassie se trouvaient dans un hangar à bateau de Putney. Nous souhaiterions parler de toute urgence à la personne qui nous a appelés. Maintenant, nous allons vous montrer des vêtements identiques à ceux portés par Cassie ce jour-là, ainsi qu'une reconstitution de ses derniers déplacements connus. Sur ces images, vous pourrez aussi voir une voiture Bordeaux. Il s'agit sans doute d'une Sierra ou d'une Mondeo. Cette voiture serait suspecte. En colère contre moi? Suzy? Suzy, excuse-moi. Je suis désolé de m'être un peu emporté. Mais tu sais comment je réagis quand je suis stressé. Et en ce moment, j'ai beaucoup de soucis. Je suis allé m'excuser auprès des filles. Tu veux bien me pardonner? J'ai juste tellement de mal à comprendre pourquoi tu t'emportes à ce point-là. Surtout si tu prends réellement tes médicaments. Oh, Suzy, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Je t'adore. Je suis vraiment désolé. Sincèrement. Laisse-moi me rattraper.
Pat? Pat? Tu dors vraiment? Écoute ça, c'est génial. On a eu des tonnes d'appels, dont un venant d'une femme qui nous dit qu'elle a vu Cassibus avec un homme dans une Mondeo Bordeaux le matin de sa disparition. Et c'est ça la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'elle les a vus dans une station-service sur l'autoroute M1. Quelle heure est-il? J'en sais rien, tard. Ils m'ont donné une cassette de l'émission. Si l'identification de cette femme est bonne, ça veut dire que je peux faire une croix sur mon suspect numéro 1. Il était déjà dans l'avion pour la France. Gwen va prendre contact avec elle demain matin. Mm-hmm. T'as résolu l'histoire de la caisse de vin? Tu sais qui nous l'a déposée? Oui, c'est une espèce de taré à qui j'ai eu affaire. Je la lui ai rapportée. Tu veux un thé? Non. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Cassie. Mike. Joyeux anniversaire. Ouais. Ouais. Bravo. 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 Bravo, Cassie. Bravo. Ouais. Ouais. On sait que Cassie a été jetée dans la voiture. Nous avons un témoin oculaire qui a vu la scène rapidement. Un témoin qui pourra dire juste. Si c'était bien Cassie dans la voiture Bordeaux. Une jeune fille innocente et bang. Un salopard arrive et c'est terminé. Dans notre position, on n'a pas d'autre choix que de prendre toutes les informations que nous recevons. Viens par ici, toi. J'imagine qu'il est trop tard pour discuter décoration. Oui. C'est pas grave. Cassibus a le droit de prendre toute Cassie, ton attention en ce moment. Voir dans cette vidéo. Le superintendant Walker vient de vous le dire. Si vous détenez une quelconque information, appelez-nous. Nous attendons vos appels. N'hésitez pas à téléphoner au standard de l'émission qui restera ouvert pour les auditeurs jusqu'à minuit. Ceci est une enquête sérieuse. Plaisantin, s'abstenir. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Cassie. Je vous présente l'inspecteur Holguett. Asseyez-vous. Bonjour. Merci. Vous voulez un café? Non, sans passe. Vous allez m'interroger ici? Nous n'allons pas au poste de police? Si ça ne vous dérange pas, avant toute chose, je vais prendre votre témoignage. Ensuite, nous irons ensemble près des pompes et vous me décrirez exactement où vous pensez avoir vu Cassie Booth. D'accord. En réalité, ce jour-là, je ne suis pas venue à la station prendre de l'essence, mais un sandwich à la boutique. C'est en sortant du magasin que j'ai remarqué une petite blonde sur la banquette arrière d'une Sierra Bordeaux garée près des pompes. Comment pouvez-vous être sûre que c'était Cassie? Parce qu'elle portait des barrettes roses et un anorak jaune, exactement comme celle qu'on a vue dans l'émission. Et où était le conducteur? Il mettait de l'essence dans sa voiture. Et vous auriez une description? Oui. Il était blanc, grand, environ 1m80. Il portait une veste... Non, un imperméable. Les cheveux foncés. Oh, malheureusement, je crois que je n'ai pas fait trop attention à lui. Est-ce que la fillette a essayé de sortir de la voiture? Oh, j'aurais du mal à vous répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est tournée pour regarder dans la boutique. C'est à ce moment-là que j'ai vu son visage. Inspecteur principal North. Allô? Pat, c'est Stephen Warrington. Il faut absolument que je vous voie. Monsieur Warrington, je n'ai vraiment pas le temps. Ça recommence. Ça recommence, Pat. Venez me voir à tout prix. Vous êtes la seule vers qui je peux me tourner. Je vous en prie. Pitié, je vous en supplie.
Monsieur Warrington, c'est encore au sujet de vos voisines, parce que si c'est le cas, je crois que j'ai fait tout ce qui était pas mal. C'est pas ça du tout. C'est bien, bien plus grave que ça. Je crois qu'ils vont encore m'arrêter. Monsieur Warrington, vous ne risquez plus rien puisqu'il n'y a plus de plainte. Monsieur Warrington. Ils vont m'arrêter. Encore. J'ai rien fait. Je vous jure, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Oh merde! Je crois bien que j'ai raison. Et ouais, c'est écrit là. Le jour de sa disparition, Cassie avait les cheveux attachés avec un chouchou argenté. Aucune barrette rose n'est mentionnée dans le rapport. Mais dans la vidéo d'anniversaire qu'ils ont montrée hier soir dans l'émission, elle avait des barrettes dans les cheveux. Cette foutue bonne femme nous raconte des cracks! Pardon pour l'attente. Vous me redonneriez une description de la fillette que vous avez vue? Oui, blonde, environ 14 ans et un anorak jaune. Et elle avait deux barrettes roses dans les cheveux. Je l'ai déjà dit, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous êtes sûre pour les barrettes roses, Madame Bentall? Oui. Et vous nous avez contactés après avoir vu l'émission d'hier soir, n'est-ce pas? C'est ça. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous êtes sûre. Parce que l'ennui, c'est qu'aucune des personnes de la station ne se souvient l'avoir vue. Je suis absolument sûre que la jeune fille que j'ai vue ce jour-là était Cassie Booth. Ça ne peut pas être le produit de votre imagination. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Madame Bentall, Cassie Booth est peut-être encore en vie et les heures qui passent peuvent lui être fatales. Je sais que tout le monde voudrait ces 15 minutes de célébrité, mais s'il vous plaît, ne cherchez pas à avoir votre heure de gloire en envoyant la police dans la mauvaise direction. Vous nous faites perdre un temps précieux en monopolisant des enquêteurs. J'ai la conviction que vous avez tout inventé. Je ne pense pas que vous ayez vu Cassie Booth ce jour-là, n'est-ce pas, Madame Bentall? Vous êtes en train de nous faire marcher, je me trompe? Vous avez peut-être vu une fillette qui lui ressemblait. Avez-vous réellement vu une Sierra Bordeaux ou pour ça aussi vous avez menti? En ce qui concerne les barrettes, vous avez été extrêmement précise. Mais c'est parce qu'elle en portait pendant la vidéo de l'émission, c'est ça? En réalité, le jour où Cassie a été kidnappée, elle avait une queue de cheval. Elle n'avait aucune barrette. Je suis désolée. Désolée? Vous êtes désolée pourquoi, Madame Bentall? Gwen vient d'appeler. La femme qui disait avoir vu Cassie à la station-service a tout inventé. Mais une autre femme vient d'appeler en disant que son enfant avait été abordé par un homme alors qu'il faisait la tournée de Cassie. Elle a le même âge que Cassie? Il. C'est un garçon de 12 ans. Apparemment, il aurait remplacé Cassie dans sa tournée de distribution quand elle a eu un rhume il y a plusieurs mois de ça. Il a fait ça en cachette, je n'étais pas au courant. Il savait que je n'aurais pas été d'accord. Il voulait un peu plus d'argent de poche. Mais en voyant l'émission d'hier soir, il a préféré m'en parler. Bon, Marc, cet homme, il est sorti de sa voiture, il t'a abordé, il t'a fait peur, c'est ça? Ouais. Arrête de te gratter comme ça. À cause de la nervosité, il fait des éruptions terribles d'eczéma. C'est un garçon angoissé, ça lui fait même rater l'école. Tu pourrais me le décrire? Je sais pas trop. Cheveux foncés, blancs, pas gros et assez grand. N'oublie pas qu'il avait un costume élégant et des lunettes. Et tu te souviens de la voiture? Quelle marque? Quelle couleur? Bah, c'était une voiture de sport bleu métallisé. Il avait déjà dépassé Marc. Et ensuite, il a fait demi-tour. Tu m'as dit qu'il t'avait appelé, qu'il avait stoppé la voiture et il est venu vers toi. C'est ça, Marc? Répète au monsieur ce qu'il t'a dit. Il t'a parlé? Il a dit qu'il avait quelque chose pour moi. Et quand Marc s'est retourné pour le regarder, il avait l'air en colère. C'est ça, hein, chérie? Après, il est parti en vitesse. C'est un scandale! Vous n'avez pas le droit de faire ça! Absolument aucun droit! Je veux parler à mon avocat. La description colle bien avec Wilding. Si on veut. Quand on y réfléchit, on pourrait facilement confondre ce gamin avec Cassie. On lui met une casquette de baseball, il est blond, il a la même taille. Il a lui aussi un anorak jaune qui ressemble beaucoup à celui qu'elle portait. On sait que le gars lui a dit qu'il avait quelque chose pour lui. Peut-être qu'il a attiré Cassie comme ça. Il lui aurait fait miroiter un cadeau, une petite peluche. Oui, c'est ce que je me suis dit. Mais on recherche une voiture Bordeaux. Et poil à gratter nous a dit que c'était une voiture bleue métallisée. La femme de Wilding, sa bagnole est un coupé bleu métallisé.
Mettez-moi ce fumier sous surveillance. Il était complètement hystérique. J'ai rien compris à ce qu'il disait. Il parlait d'arrestation et là, on a été coupé. Alors, si vous pouviez prévenir le standard que s'il appelle... Oui, je m'en occupe. Peut-être que les parents de l'école d'Oakshott ont décidé de maintenir leur plainte, finalement. Je peux demander à Batchelet, si vous voulez. Non, laissez. Bon. Pat, vous avez une seconde? Oui, bien sûr. Votre copain, le marchand de vin, Stephen Warrington, vient de se faire arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré ses parties à deux gamines dans un parc près de la station de métro Embankment. Non, c'est pas vrai, je rêve. Il braille comme un putois. Et il a demandé à vous voir. Il y avait une voiture qui patrouillait à quelques mètres de là. Warrington est passé devant eux en courant comme un fou. Il a tourné au coin de la rue et a récupéré sa voiture. Ils l'ont pris en chasse, mais ils l'ont perdue. Heureusement, ils avaient noté son numéro de plaque, d'où l'arrestation à domicile. Et les enfants? Elles sont pas mal secouées. L'une d'elles est particulièrement traumatisée. Il a voulu la forcer à le toucher et elle a failli se faire renverser par un bus en fuyant. Vous saviez qu'il avait fait pareil à Oakshott? C'est vrai. Il a été inculpé. Non. Il n'y a pas eu de poursuite. D'ailleurs, il pense que c'est grâce à moi. Il me fait froid dans le dos. Vous savez qu'on a trouvé une bouteille de lithium sur lui? Apparemment, c'est une drogue qu'on utilise pour soigner les cyclothymies sévères. C'est quoi? C'est un trouble maniaco-dépressif. Ça veut dire qu'il a des changements d'humeur violents. Il peut passer d'un état dépressif extrême à un sentiment de toute puissance dans la seconde. Il a dit au médecin qui l'a examiné avant son entrée en cellule qu'il ne prenait plus son traitement, ce qui explique sans doute son comportement bizarre. Il vous réclame désespérément. Non, il n'est pas question que j'aille le voir. Je devrais déjà être au tribunal. Dites-lui que vous n'avez pas pu me joindre. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que ceci est une énorme et déplorable méprise. Monsieur Warrington, on vous a vu vous enfuir du parc. Je ne savais pas qu'il venait de s'y passer quelque chose d'inconvenant. Je courais pour rejoindre ma voiture, pour ne pas avoir à payer le parking. Et tant que mon avocat ne sera pas là, ou que je n'aurai pas parlé à l'inspecteur North, je refuse. L'inspecteur principal North n'est pas joignable. Elle est au tribunal tout l'après-midi. En ce cas, je refuse de dire un mot de plus. Je connais mes droits, j'exige de voir mon avocat. Alors explique-moi pourquoi la police est venue à la maison. Je te l'ai dit, ils m'ont confondu avec quelqu'un d'autre. C'est grotesque. Mon avocat veut les poursuivre. Est-ce que tu veux que j'appelle papa? Non, surtout pas. C'est à moi de m'en occuper. Pat North m'aidera. Elle travaille dans le même commissariat. Pourquoi tu as besoin de cette femme? Tu as dit toi-même que c'était une erreur. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est le cas. Non, Suzanne. Crois-tu que si j'avais quoi que ce soit à me reprocher, il m'aurait libérée? Alors c'est bien une méprise. Oui! Oui, il faudra te le répéter combien de fois? On pourrait changer de conversation. J'ai un mal de crâne épouvantable. Chérie, laisse-moi aller te chercher une aspirine. Continue à draguer la Tamise près du hangar à bateau où a été retrouvée la veste tachée de sang de Cassie Booth, la jeune fille qui a disparu la semaine dernière. Non! Bah dis donc, t'as vu comme il est pressé? Tu crois qu'il t'a vu? J'ai pas envie que t'aies d'ennui. Il a déjà les siens à gérer. Il s'est fait arrêter aujourd'hui. C'est un exhibitionniste. Oh, non! Arrête, tu rigoles! Oh, c'est trop beau pour être vrai! Attends que ce pervers essaie de nous casser les pieds! Oh oui! Ne t'avise pas de crier ça sur les toits. Pour le coup, tu risquerais de me mettre dans de sales draps. Alors, chérie, tu veux entrer avec moi? Puisqu'on parle de draps, je vais te montrer les miens. Qui est-ce? Monsieur Warrington, je ne vous ouvrirai pas la porte. Partez, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je sais que j'aurais pas dû venir. J'en ai conscience. Mais il faut que je vous parle. Non, il n'est pas question que je vous ouvre. Je suis désolée. Il faut vous en aller. Sinon, vous appellerez la police? C'est vous, la police, et je ne vous demande que 2 minutes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Warrington, c'est une propriété privée. Je sais de quoi vous voulez parler, mais il est hors de question d'en discuter maintenant. Allez-vous-en.
J'espère pour vous que ça valait le coup de me faire revenir ici. On a reçu un autre appel, encore une cabine téléphonique, cette fois ça vient de Barnes. Oui, et ? Une voix d'homme. Il dit que la police recherche le corps de Cassie Booth au mauvais endroit. Tu sais, j'ai peut-être enfin quelque chose contre Wilding. Le gamin que j'ai vu, il dit qu'il a été abordé par un homme le jour où il remplaçait Cassie Booth dans sa tournée. Sa mère n'a pas voulu qu'il fasse une séance d'identification, mais ils ont fait un portrait 3D qui ressemble beaucoup à Wilding. Toi, mon grand, t'es le bienvenu. Allô? Allô? C'est pour toi. Je viens à peine de rentrer, c'est une blague? C'est ta femme. Oui, je sais, on sera un peu à l'étroit, mais on se débrouillera avec des duvets. Hein? Parce qu'on vient d'emménager, on n'a même pas... Oui, Lynn. Lynn, s'il te plaît, calme-toi. Je viens de te dire qu'ils peuvent rester, mais... Oui, 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 je passerai les prendre, j'irai les chercher ou j'enverrai quelqu'un le faire. Non, pas à Pat, d'accord. Que... Lynn, si c'est possible, j'irai les chercher moi-même, sinon j'enverrai quelqu'un les récupérer. Comment s'appelle leur prof, déjà? Écoute, j'ai un maximum de stress en ce moment, et si je me rappelle pas le nom de la prof, ça ne veut pas... Comment? Olay? Madame Olay? Bien, j'appellerai Madame Olay. Attends, ne quitte pas deux minutes. Pat! La mère de Lynn était en attente pour une prothèse de la hanche, et ils ont une annulation demain. Lynn veut l'emmener à l'hôpital. Mes gamins peuvent dormir ici demain soir? Oui, deux secondes, s'il te plaît. Bien sûr, mais... T'en as encore pour longtemps, le dîner est prêt. Allô, Lynn, y a pas de souci. Je passerai prendre les petits à l'école et je les dépose. Allô? Allô? Elle a raccroché. Je peux pas communiquer normalement avec cette femme. Tu pourras passer les prendre? Oui, oui, c'est l'affaire d'une demi-heure. Ça devrait aller. Pat, ça te dérange pas, t'es sûr? Non, toi aussi, t'es chez toi et ce sont tes enfants. Oui, je sais qu'on est tous les deux chez nous et c'est pour ça que je veux savoir si ça te dérange. Non. Mais est-ce qu'on peut dîner parce que je meurs de faim? Oui. Tout ça pour ça? Ah, ça va faire du bien d'être au chaud. On a déjà fait des recherches dans ce coin? Oui, mais tu sais comment ça se passe. On a loupé certains endroits. Ça fait froid dans le dos, cette affaire de disparition d'enfants. Toujours délicat, surtout quand tu trouves le corps. Enfin, normalement, c'est fini pour aujourd'hui. Ralentis. Rapproche-toi un peu. Il y a quelque chose attaché à la corde. Tu vois? C'est rien, c'est des chiffons, ça. J'ai attaché une corde, je peux pas le bouger. Et tu viens m'aider? J'essaie de décrocher ce côté, vas-y. Je vais essayer de le tirer vers moi. J'y arrive? Aidez-nous. C'est la petite. On sait pas encore, mais elle est blonde et à peu près du même âge. Elle était enveloppée dans du plastique épais et saucissonnée dans des cordes. Ils l'ont trouvée vers le hangar à bateau. Le courant était faible, sinon ils passaient à côté. Et Madame Booth a été contactée? Oui, mais on l'a prévenue que le corps était dans un sale état, alors elle préfère que ce soit son ex qui vienne. Il est là? Non, il vient de Manchester. Il sera là que dans 2 heures. Que dans 2 heures? Oh, merde! Thank you.
Pat, il faut que tu me rendes un service. Je pourrais pas être sorti pour 4 heures. On a un énorme rebondissement. Est-ce que tu peux passer prendre mes gosses? Pardon, ça m'embête de te demander ça, mais apparemment, on a trouvé le corps de Cassie Booth. Ah, bon sang. On est en retard. Oui, écoute, tu me prends un peu de cours, là. Je sais pas si je vais pouvoir me libérer. Donne-moi l'adresse. Combien de temps pour nous? Aucune idée. Ça se passe en salle 4. Je réfléchis à une solution et je te rappelle ensuite. Il faut que je te laisse. À tout à l'heure, ok? Vous avez une minute? Ça dépend pourquoi, c'est important. On n'est peut-être pas aussi tranquille qu'on le pensait à propos de ce Warrington. Bon, on peut parler en marchant, je suis attendue pour un interrogatoire. Warrington n'a pas arrêté de vous demander. Il a refusé de dire quoi que ce soit en dehors de votre présence. Il a été libéré en attendant l'identification d'une des filles. Oh, vous savez comment ça marche, je peux pas m'incruster comme ça dans l'affaire d'un collègue. Ce n'est pas de moi que ça vient, Pat. Je n'aurais jamais osé vous déranger. C'est Don Cho qui dirige l'enquête et il voudrait que vous lui parliez de ce premier cas où Warrington s'est fait coincer. D'accord, j'irai le voir, mais pas maintenant. Vous rentrez chez vous, là? Vous pourriez me rendre un énorme service, Vivienne. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Cassie, joyeux anniversaire. Ouais. Bravo, 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 bravo. Ok, je vois tout le monde sur le pont. Allez, on se dépêche. Gwen, comment va Madame Booth? Je crois qu'elle avait perdu espoir de retrouver sa fille vivante. L'officier de liaison auprès des familles est avec elle. Qui n'a pas éteint son foutu portable? Si c'est à vous le manteau Armani, alors c'est votre téléphone. Comme si je pouvais m'offrir un manteau de couturier. Walker. Quoi? Oh, Pat, c'est le toi. Le corps de la petite a été identifié? Oui. Non. Barreau y est. Le père vient juste d'arriver à la morgue. Ils vont faire valoir que c'est une priorité pour pas faire la queue. Bon, le corps a été retrouvé dans un sac plastique épais autour duquel était enroulée une longue corde. On ne sait pas combien de temps il est resté immergé, ni si la petite a été abusée sexuellement. Mais d'après ce que j'ai vu en vitesse, le corps est pas mal gonflé. Et sur le deuxième appel téléphonique, on a du nouveau? Non, c'est pareil que le premier. Impossible d'avoir une bonne définition. La voix est trop basse et étouffée. Mettez vos ceintures de sécurité, sinon vous allez vous faire arrêter. Au revoir, Tata Vivienne. Au revoir, les enfants. Vous avez été super. Vraiment, je vous remercie. À charge de revanche. Je vous cherchais partout. Ouais, j'avais envie d'être un peu seul. C'est vraiment pas facile. On doit avoir le boulot le plus stressant de cette foutue planète. L'alarme à incendie a fini par s'arrêter. Ouais. Ça donne quelque chose, la surveillance de Wilding? Rien de concret pour l'instant. Meadows dit qu'il l'a vu fouiner bizarrement en rayon fin d'une librairie, comme s'il cherchait sa prochaine victime. Oh, il vous fallait aussi un remontant? Ah, ouais, va falloir que je me tape mes supérieurs. Ils vont me demander des comptes, vouloir des résultats pour hier, et j'ai un cadavre à leur donner. C'est pour ça que quelques gorgées d'un pur malt, ça peut pas me faire de mal aujourd'hui. Avec le corps, on va pouvoir avancer un peu. Vous pensez que c'est Cassie? Ouais. Votre papa n'a pas fait les courses. Ok, alors, on mange quoi? Des hamburgers, une pizza ou un fish and chips? D'accord. J'ai eu la bouche cousue dans la voiture, au commissariat, mais vous n'allez pas me le faire chez moi.
Maman a dit de ne pas te parler, c'est papa qui devait s'occuper de nous. Oui, c'est vrai, mais votre papa, ça n'est pas un papa comme les autres, vous savez ça. Parce que son travail est beaucoup plus important et vraiment exceptionnel. Il ne peut pas s'occuper que de vous, il s'occupe de plein d'autres enfants qui ont des ennuis. Ou des petits à qui on fait du mal. Vous voulez qu'on l'appelle ? Ils ont joué dans les enfants du silence, ces gamins. Tu sais ce qui se passe ? Ce sont les supérieurs du boss. T'as le responsable de la section criminelle et le chef des opérations. Évidemment, ça a un coût, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire ? On n'a pas eu le résultat qu'on attendait, mais c'est un résultat ! Non, je ne crois pas qu'à ce stade de l'enquête, ce soit une bonne idée de faire appel à quelqu'un de l'extérieur. Et s'il vous plaît, Ross, vous pourriez aller à la cantine pour chercher du jus d'orange et de pomme. Vous auriez une cigarette ? Je trouve ça inacceptable. Nous sommes d'accord. Visiblement, c'est... Je pense aussi que le tueur cherche la publicité. Premièrement, parce que c'est lui qui nous a indiqué où trouver les vêtements dans le hangar à bateau. Deuxièmement, quand la presse et la télé ont annoncé que la police draguait la Tamise sur des kilomètres, il nous a retuyautés, en nous disant qu'on cherchait au mauvais endroit. Mais vous n'avez pas identifié ce correspondant anonyme, et le seul résultat que vous ayez obtenu est la... Je crois que je vais prendre une hawaïenne avec poivron, champignons et double fromage, s'il vous plaît. Bien. Je prends le numéro 4. N'importe quoi. Il sait même pas lire. Il peut pas savoir ce qu'il y a dans le numéro 4. Tu devrais être moins sûre de toi, Amy, parce que Richard a choisi... Oh, bah ça alors, il a choisi la spéciale au chorizo avec un supplément de fromage. Il déteste le chorizo. Il a jamais aimé ça. Je t'ai dit qu'il savait pas lire. Il est dyslexique. Si tu veux, je te commande des frites, Richard, avec une pizza aux champignons et au fromage. Je voudrais des beignets de saucisse croustillants avec de la salade verte. C'est noté. Vous voulez aussi un milkshake ou un soda ? Nous avons un excellent smoothie à la framboise. Mais le milkshake au chocolat est bien meilleur. Oh oui, c'est ça que je veux. Et toi, tu veux quoi, Amy? Bonsoir. Je passais devant le restaurant quand tout à coup je vous ai vu, Pat. Avec ces deux merveilles. Je parie que vous venez du pays d'Oz. Je peux m'asseoir avec vous? Je vais prendre une grande et énorme pizza si piquante que j'en aurai la langue en feu. Auriez-vous la gentillesse de quitter cette table, Steven? Nous préférons rester entre il nous. Il fait quoi, ton papa? Il est officier de police. C'est lui le chef, Michael Walker. Et notre maman, elle s'appelle Lynn. Je vous en prie, Pat, je ne veux pas gâcher votre dîner. J'avais juste besoin de parler à quelqu'un. Je vous en prie, toutes mes excuses. Je vous laisse. J'avais vraiment besoin de vous voir. Cette situation est horrible. Une méprise qui sera réparée. J'étais... Oui, j'avais peur. C'est naturel quand la police débarque chez vous. Ils m'ont emmené devant Suzanne. Grâce à Dieu, les filles étaient sorties. Elles n'ont pas assisté à ça. Mais ça a été terrible. Une semaine épouvantable, je vous assure. Alors, les beignets croustillants et la salade pour toi, et champignons frites pour toi. Et pour madame, la hawaïenne double fromage. C'était au chocolat ou framboise? Chocolat, s'il vous plaît. Tu vas être malade. Tu sais que maman ne veut pas qu'on mange trop de chocolat. Surtout tard le soir. Je ne les ai pas approchées, ces filles sont des menteuses. D'accord, alors pourquoi avoir évité la police et vous être enfui quand vous avez vu qu'elle s'intéressait à vous? J'ai couru pour rejoindre ma voiture. Si la police a cru que je fuyais, elle s'est trompée. Ils m'ont fichu une trouille bleue à me mettre leur sirène tout à coup derrière moi. J'ai cru qu'ils voulaient que je me pousse parce qu'il y avait une urgence, alors j'ai conduit plus vite. Très bien, pourriez-vous quitter notre table maintenant, monsieur Warrington? Oh, ça a l'air délicieux. Tu veux que je te coupe ta viande ou tu vas te débrouiller, Richard? Bon... Et maintenant que vous êtes servi, vous voulez quelque chose à boire? Du jus d'orange. Du jus d'orange, s'il te plaît. Un jus d'orange pour cette jeune fille magnifique, la princesse. Ah, on dirait vraiment une princesse. Je suis sûr qu'on a déjà dû te le dire. Mon papa m'appelle princesse. Ma fille aînée s'appelle Charlotte et ma cadette Lucie. Ce sont mes princesses. Je les aime plus que tout.
Voyons, Pat. Dites-moi. Sincèrement, honnêtement. Vous croyez que je pourrais faire quoi que ce soit? Que je serais capable d'effrayer une petite fille? Non, bien sûr que non. Au revoir, Monsieur Warrington. J'ai des accès de nervosité. Je suis obligé de prendre des médicaments pour garder mon calme. Les choses m'angoissent, je perds mes moyens. À la télévision, j'ai vu qu'il draguait la rivière pour trouver Cassie Boss. Je ne pense pas que son corps soit gonflé d'eau. Je le vois plutôt rongé par les vers. Êtes-vous sûr qu'il cherche au bon endroit? Fait le serveur, Ross. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Je sors d'un cours de profiling. C'était super intéressant. T'aurais pas une botte par hasard? Le boss est en main. Ah, si, attends. Tu lui passeras ça. J'ai arrêté, mais j'aime bien en avoir sur moi pour tester ma volonté. Ah, c'est ta patience que tu vas mettre à l'épreuve. On enquête sur un meurtre, mais on n'a pas de cadavre. J'en trouverai un. Monsieur? Mike? Satchel, qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous n'avez pas eu mon message, j'espère que vous avez la petite sœur. Et ils ont décidé de me coller un scribouillard. Ce serait la merveille des merveilles qui vous résout un crime comme ça grâce à sa boule de cristal. Il se trouve que c'est moi. Science criminelle de la faculté, je viens de finir le cursus. Ouais. Attendez, attendez. Ouah. Allez, laissez-moi vous montrer le dernier manuel d'investigation du service. Vous voyez? C'est le manuel du meurtrier. C'est pas une farce. C'est le manuel du meurtrier. Oh, bon Dieu. On a la victime d'un meurtre. Attendez que je regarde. C'est scène de crime. Toujours éviter de déplacer le corps. Y a pas pire insulte! Oui, je sais que je suis en déficit, que j'ai un trou gros comme mon crâne dans la caisse, mais ça fait chier! D'accord, je suis sur le point de me faire baiser. Pour l'instant, il tourne autour du pot. Et salopard, ce con de l'autre brigade criminelle va prendre le relais. Ouais. Pense, ça va partir à Oakshot, c'est sûr. Batchley. C'est la petite disparue? Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que vous m'avez vu à la télévision? Classe! On a récupéré un corps, et il se trouve juste que c'est pas le bon! On aurait affaire à un serial killer? Non! La fille! C'est la pute disparue dans Sceaux. La brigade d'intervention du secteur s'en occupe. Et s'il y a un lien entre les meurtres? La fille a été retrouvée près du hangar. Y a pas de connexion, je vous dis. Chef, c'est de la vodka, vous étiez au pur mal. Je sais, mon grand. C'est pas pour moi, mais pour vous. Et je rigole. Ces deux fumiers vont se choper la courante avec tout le jus d'orange qui se sont enfilés. C'est vrai, j'ai un coup dans le nez. Mais je vous garantis qu'un buveur de pur mal qui se respecte touchera jamais une seule goutte de cette boisson soviétique pour tapette. Je vous dis à demain. Bonne nuit. Salut. Ciao. C'est tout ce que vous avez après combien de semaines? Et pourquoi y a personne dans ces bureaux? Eux, ils font du porte-à-porte. On a des centaines d'appels à traiter. Ça, c'est la mise à jour. Je t'empêche d'aller te coucher. J'ai pas besoin de dormir, je suis un athlète. C'est pas le cas de Walker, il était bien parti. Oh merde, il conduit pas, si? Non, et se faire conduire par une de nos voitures. Ah, oh, détends-toi. Je te sers un autre verre de 7 boissons soviétiques pour ta pète. J'ai l'impression que Walker ne m'a pas pris au sérieux. Je viens de finir la fac. Demande-moi ce que tu veux, tout est là. Je suis un profiler. Parfaitement entraîné et ultra performant. Thank you.
Bonne nuit, fiston. Bonsoir, princesse. Pardon de ne pas être rentré plus tôt. J'aurais bien voulu. Hé, tu le répéteras pas à maman, hein? Je sais que je ne me suis pas occupé de vous autant que j'aurais dû. Je suis votre père et vous n'avez pas intérêt à l'oublier. Allez, fais-moi un câlin. Bonne nuit, papa. Tu as bu de l'alcool. Chut. Bonne nuit, princesse. Tiens. Ça te va mieux à toi. Bonsoir. Les petits t'adorent. Ça va être toi, Wonder Woman. Je sais vraiment pas comment j'aurais fait sans toi. J'ai rêvé de ce moment toute la journée. Je suis lessivé, épuisé comme jamais j'ai été. Une journée comme ça, on peut pas en avoir deux dans une vie. Pendant quelques minutes, j'ai cru qu'on avait un tueur fou sur le dos. Le corps trouvé était celui d'une fille sensiblement du même âge que Cassibus. Ensuite, j'ai eu la visite de deux super commandants de secteur. Il paraît que je serais trop impliqué. On m'a demandé de prendre du recul. Il reste plus beaucoup de flics dignes de ce nom dans la police. Le nouveau management a l'air de préférer les toutous qui se salissent pas les mains. Gerbé. Pat, ça m'a vraiment fait plaisir que tu t'occupes de mes gosses. Mike, ça va te paraître bizarre, mais... Non, je me trompe, c'est sûr. Ce serait énorme comme coïncidence. Sauf que c'est toi qui dis toujours qu'il faut suivre son instinct, écouter son sixième sens. Tu te souviens de ce gars qui avait porté plainte? Stephen Warrington, le type à la caisse de vin. Mike. Mike, tu t'es endormi? Je ne pense pas que son corps soit gonflé d'eau. Je le vois plutôt rongé par les vers. Êtes-vous sûr qu'il cherche au bon endroit? Oui? Bien sûr, vous vous êtes rendu compte que je n'ai pas été là pendant 1h15. Ok, bon, si vous voulez du vin à moitié prix, c'est votre homme. Et c'est pas tout. Warrington ne possède absolument pas l'entreprise. En réalité, il n'est que commercial. Mais c'est le vendeur number one. Vous avez eu des infos sur leur véhicule? Oui. Les commerciaux passent par une boîte de leasing. La voiture que Warrington prend le plus souvent, c'est un break vert. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais il y a plusieurs semaines, il a eu des problèmes d'air conditionné. Ça vous intéresse? Oui. Ils lui ont passé un nouveau véhicule. C'était... Ah là, voilà. C'était une berline Bordeaux de 98. Une Mondeo? C'est bien ça, la chance? C'était une Mondeo?
Bonjour. Tu es rentré à quelle heure hier soir? Je te l'ai dit. Je vais se dîner avec Adrian Ripley. Business. J'ai failli appeler la police. La police? Pour quelle raison? Parce que Peggy n'est toujours pas revenue. J'ai téléphoné au refuge régional, mais ils n'ont pas accueilli de Jack Russell. De toute façon, je l'aimais pas. Toujours à fureter dans tous les coins. Steven, je peux savoir où tu vas? Ça ne te regarde pas. Tu m'embêtes, je voulais pas te le dire. Je suis convoqué à une séance d'identification. C'est scandaleux, cette façon qu'ils ont de harceler. Inacceptable. Attends, chérie, je viens avec toi. Non, ça ne servirait à rien. Mais moi, je le veux. Cette petite sera incapable de m'identifier. Je voudrais qu'on le refasse une fois, Laura. Tu sais comment est ta poupée, n'est-ce pas? Tu m'as bien expliqué comment elle était, tu te souviens? Oui. Alors, je voudrais que tu parcours lentement la rangée pour voir si elle est parmi les autres poupées. Il faut vraiment que tu regardes bien, et si jamais tu aperçois... Tippy. C'est ça, si jamais tu vois Tippy, je veux que tu me donnes le numéro qui est devant elle et que tu me l'apportes. Tu as compris? Bravo, ma puce. Bon, tu sais comment faire, n'est-ce pas, Laura? Oui. Si tu vois le même monsieur, tu auras juste à me dire le numéro qui est devant lui. D'accord? Oui, monsieur. Tu es prête? Oui. Ah, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai une identification dans 2 minutes, mais je voulais savoir comment ça s'est terminé pour Warrington. La petite ne l'a pas reconnue. Elle ne l'a pas reconnue? Elle n'a que 7 ans. Moi aussi, à sa place, j'aurais eu des doutes, c'est évident. En plus, elle était terrifiée quand c'est arrivé. Merci. Vous m'excusez, je dois partir. Excuse-moi. Bien sûr. Bonjour, Pat. À faire classer, je suis innocent. Elle n'a pas réussi à m'identifier, cette petite conne. Une perte de temps pour la police. Je les ai encore roulés dans la farine. Je mentirais même avec un meurtre. Suzanne, tu vois, c'est une méprise, exactement comme je te l'avais dit. Surtout, ne t'approche pas, ne me touche pas, Steven. Je ne veux plus te voir. Tu me dégoûtes. D'après moi, Walding est bien un pervers, mais il fonctionne en mode passif en termes de profiling. Ce qui veut dire qu'il fréquente les endroits où il y a des enfants, il les observe, et à partir de là, il se construit tout un imaginaire qui peut devenir si réel que ça le nourrit. Peut-être, peut-être pas. Cassie Booth avait 15 ans, c'était une ado. Ah oui, c'est vrai, mais elle n'était pas très grande pour son âge. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? À ce stade, je suggère qu'on examine toutes les possibilités. Ce serait dommage d'avoir une vision tunnelaire des choses. On ne perd pas de vue qu'il n'a pas de casier, donc on y va avec prudence et on ne le lâche pas d'une semelle. Et on attend de voir ce qu'il va faire. Très bien, tout le monde au boulot. Salut. Salut, Satchel. Salut. Pat, qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, je voudrais juste te parler 5 minutes. Oui, bien sûr. J'ai mis l'essentiel de ce qu'il racontait sur le compte de sa maladie, illicite leucémique. Quoi? Ça veut dire qu'il a des changements d'humeur violents s'il ne prend pas le traitement adéquat. Écoute... D'abord, on m'a envoyé le calmer pour qu'il arrête de porter plainte. La fois d'après, il connaît déjà notre adresse. C'est comme ça qu'on a reçu la caisse de vin. Ensuite, il est arrêté 2 fois en 10 jours pour attentat à la pudeur et il est gardé en détention. Il demande à me parler. Évidemment, je refuse, parce qu'il avait tendance à me considérer comme une sorte de... d'allié. Et hier soir, j'emmène Richard et Amy à la pizzeria et il nous suit jusqu'au restaurant. Je te garantis que j'ai eu la trouille de ma vie. Mais ce que je trouve vraiment bizarre dans tout ça, c'est qu'il n'a pas arrêté de remettre Cassie Booth sur le tapis. Tu dis qu'il conduisait encore la Mondeo au Bordeaux jusqu'à quand? La semaine dernière, c'est bien ça? Ouais, exact. La boîte de location l'a récupérée et l'a louée à un autre type. Tony Levin. T'as son adresse là, quelque part. Tu l'as? Oui. Merci. On se voit ce soir. D'accord.
Mike, si t'es énervé parce que je suis venu, excuse-moi, j'ai pensé que c'était important. Ça l'est? J'ai simplement du mal à digérer de m'être fait incendier par mes boss alors que tu possédais tous ces éléments. Mais je m'en remettrai. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons un autre suspect. Il s'appelle Stephen Warrington. Il louait une Mondeo Bordeaux dans la période où Cassie Booth a été kidnappée. Voiture conduite actuellement par un certain Tony Levin. Gwen, Ross, c'est pour vous. C'est un peu le bordel. Ma femme s'en est pas mal servie pour promener les petits.